Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec cette palette. Donc, c'est la Norvina volume 2 que je tiens bien fermement dans mes mains pour ne pas la faire tomber parce que c'est Manon qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Et elle m'a déjà offert la Norvina volume 1. C'est les deux seules que je possède, c'est deux cadeaux. Je dis pour finir, j'aurai les 5, plus celles qui seront sorties d'ici là, grâce à elle. Voilà. Mais je pense que je vais quand même commencer à regarder les promos pour m'acheter les autres parce que la 1, à chaque fois que j'utilise, je suis bluffée par la qualité. Et puis, bon, c'est des très belles palettes. C'est très lourd. Le packaging n'est vraiment pas pratique, d'où le fait qu'elle soit tombée plusieurs fois. Voilà. Bref, l'autre, elle a morflé. Hein. Je vous remets la volume 1 en barre d'infos, les vidéos avec la volume 1. Donc, je vais essayer de l'ouvrir sans la faire tomber. Elles sont vraiment très dures à ouvrir. Elles n'ont pas une très bonne prise en main. Un packaging en carton, ça aurait été mieux, je pense. Donc, voilà les teintes. Là, on est dans des teintes qui me parlent beaucoup, 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 beaucoup. N'est-ce pas? Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est des pigments pressés. Donc, c'est le Graal des fards à paupières, quoi. Enfin, c'est pas des fards à paupières, c'est des pigments pressés. Il n'y a pas de talc à l'intérieur. Donc, du coup, c'est vachement pigmenté et plus dur à travailler que des fards à paupières. Vous avez... combien est-ce qu'il y en a déjà dedans? 5, 25. 25 fards. Le ratio, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fards mat. Il y a du satiné et du mat un peu plus pailleté, notamment le vert ici, le bleu ici, c'est des pailletés, enfin des mats pailletés, et les autres c'est des irisés, satinés, pailletés, enfin, magnifique. Donc là, aujourd'hui, vous avez peut-être pu le comprendre, je vais faire du vert. Voilà, ça va être full vert aujourd'hui, look full vert. Bon, je vais arrêter mon intro de 15 minutes là, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je dégage la touffe, je me rapproche, et on attaque le premier make-up. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. Donc, je vous donne le nom des teintes. Je ne vous les montre pas parce qu'elle est vraiment très dure à soulever parce qu'elle est lourde. Et j'ai pas envie de la faire tomber. Surtout si je la fais tomber en direct. Je crois que Manon, elle la débarque et elle me tue direct. Voilà. Donc on va partir sur une base, enfin une forme un peu classique slash Aloys. Donc je prends le E3 pour commencer, pour faire mon coin externe, mon creux et mon ras de cils. Je vais bien tapoter pour éviter les chutasses, parce que là les chutasses, ça ne pardonne pas. Et waouh, je suis vraiment bluffée à chaque fois avec ces palettes. C'est vraiment une très 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 belle qualité de fard. C'est pas ma formule préférée parce que justement du fait que ce soit des pigments pressés, ben c'est assez dur à travailler. Enfin c'est dur. Une fois que vous avez pris le pli, ça va, hein, mais si vous êtes débutante en make-up, bien que j'aime pas ce terme-là, mais si vous ne maquillez pas régulièrement, que vous n'avez pas l'habitude des teintes un peu olé olé, je ne les conseille pas. Et de bien travailler votre... C'est des fards, il faut le temps de les travailler. C'est pas un truc que vous pouvez vous maquiller en 2-2, quoi. Donc là, je commence déjà à estomper et ça s'estompe tout seul, comme d'hab. Mais voilà. Je veux les autres. J'ai un gros coup de cœur aussi pour ces palettes-là. La 1, c'est un peu moins mes teintes. Disons que dans les... trois premières qui sont sorties, c'est vraiment la 2 et la 3 qui me tentaient le plus. Et la 4 et la 5 me bottent bien aussi, même si c'est pas forcément mes teintes non plus. Je les trouve très jolies et assez complètes. Donc prenez bien le temps de les travailler, hein, les fards. Et allez-y par parcimonie. Il vaut mieux y aller graduellement, rajouter, estomper. Rajouter, estomper, plutôt que de mettre tout de suite un gros placard que vous aurez du mal à travailler.
Bon, cette couleur est très jolie, ma foi, mais elle fait vachement plus bleu que verte. Hein. Alors, ensuite, je prends un pinceau. Alors, attendez, j'ai pas préparé un pinceau un peu plus fluffy. Et je prends le B3. Qui, là, pour le coup, est un vert. Donc, je m'en sers pour dégrader. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Ah, oui, j'ai mon estomac, il fait des bruits chelous, mais. Je viens de m'enfiler le reste de mon café d'un coup là. Et vous voyez que je prends quasi rien sur mon pinceau. C'est un truc de fou cette qualité de fard. Je reprends mon premier pinceau. Je vais reprendre un tout petit peu du E3. Pour bien diffuser les deux teintes entre elles. Et je termine avec un coup d'estampeur propre. Patou, patou, patou. Je vais prendre la A5, donc qui est bleu, turquoise, lumineux, on ne sait pas trop. Mais finalement, je pars dans le bleu plutôt que le vert. Je ne sais pas comprendre. Oh, oh, ce phare est beau, mais vraiment très beau. Je le mets en coin externe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Je vais en mettre un peu en ras de cils aussi. Je prends le B1 qui est un vert anis un peu scintillant, enfin un mat avec des petites paillettes pour mettre en partie interne. On va quand même mettre un peu de vert parce que à la base je voulais faire un total look vert, ben, c'est raté. Avec la tranche, j'en mets un petit peu en ras de cils interne. J'essuie mon pinceau et je reprends la teinte A5 que je mets par dessus et à côté le vert et tout léger, hein. J'en prends vraiment pas beaucoup, je garde toujours le même pinceau, hein. Finis jusqu'au bout la fifi. Et je prends le D1 que je mets au centre. Waouh! Et je remonte jusqu'à mon sourcil. C'est fou. J'aurais pu prendre un pinceau propre, hein, mais non, la fille qui fait sa grosse feignasse, elle se fait des tâches. Avec la tranche, j'en mets au centre de mon ras de cils. Avec mes crayons plus un pinceau crayon plus précis, je prends le C4. Un tout petit peu, donc je tape bien. Je vais accentuer mon coin externe et mon creux interne. Il y a le noir aussi hein, pour le faire. Les noirs, dans les noirs vinyles, hein, c'est des boîtes. Avec mon tout premier pinceau en jaune bronze. Je définis mon creux ici aussi. Et pour terminer avec les fards, je mets le A3 en coin interne. Donc c'est un petit vert lumineux, hyper lumineux. Wow. Alors je vais mettre du crayon noir. Je vais mettre du coloré, mais on va rester dans le noir. Liner, je vais certainement mettre quelques perles en fioriture. Mascara, certainement des fossiles aussi, les Mulan de chez Essence. Et sur les lèvres, je vais mettre, ça vient de Manon aussi, le crayon Super Stay In crayon de chez Maybelline en teint. Je sais pas lire, c'est Rich. Rich quelque chose. Je sais pas si vous allez savoir lire. Bon. En tout cas, moi, j'y arrive pas. C'est écrit Croupiki. Voilà, donc je fais ça. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on peut passer au look. Thank you.
Alors, deuxième make-up, on va partir sur un smoky. Voilà, j'ai envie. Et je vous l'ai dit, en ce moment, je suis à fond dans les teintes bordeaux, rouille et tout ça. Donc, on va faire un smoky avec ce fard-là. Obligé. Voilà. Le prochain, ça sera un peu plus coloré. Donc, comme pour le précédent look, je vous donne les teintes parce que c'est un peu compliqué de vous montrer la palette. Surtout que j'ai pas envie de la faire tomber. Je vais commencer par faire un creux large avec... Non, pas du tout. Si, je vais prendre le D2. Donc, c'est un orangé. Donc, je fais un creux assez large. J'allais dire assez diffus, mais vu la pigmentation de la bait, c'est compliqué. Donc, j'essaye quand même que ce soit assez diffus hein, pour... Et je blend. J'essaie de ne pas en prendre de trop sur le pinceau aussi, mais comme vous pouvez le voir, c'est pigmenté à souhait. Hein. Voilà, on viendra restomper correctement après. Avec un pinceau plus précis, je prends le 231 de chez Zoeva, je prends le E4, donc c'est un marron, foncé, très foncé. Et je vais le mettre plus précis dans le creux. Pareil, je fais exactement la même forme, mais de manière un peu plus précise. Et pareil, on estompe correctement parce que c'est très très pigmenté. Hein. Plus précis en racine. Et avec le premier pinceau, ben, on blinde. Alors, je vais d'abord prendre un pinceau biseauté. Je prends le noir, donc c'est le E5. Donc je tapote juste un peu dedans. Et je tapote bien, bien, bien mon pinceau parce que les chutasses, ça va être la merdasse. Donc je fais mon ras de cils. Ça n'a pas besoin d'être super net. Hein. C'est juste pour foncer le ras de cils. Je fais pareil, ras de cils. J'ai foutu du fard dans l'œil. Je reprends ce pinceau là et je blende le noir. Donc en racine inférieure et supérieure. Alors j'ai déjà essuyé mon pinceau parce qu'on en aura besoin après et faut pas que j'oublie. Ensuite je prends un pinceau plat et le C5 qui est la teinte que j'ai envie d'utiliser. Et je mets ça par-dessus sur ma paupière mobile et par-dessus le noir qu'on vient de mettre. Et j'adore la couleur. Donc je commence déjà à blender dans le creux. Externe et avec la tranche j'en mets en ras de cils un petit peu, pas trop, c'est beau. Alors maintenant je reprends les teintes une à une dans le sens inverse de ce que j'ai fait, donc le marron foncé dans le creux pour blender l'espèce de bordeaux. Je reprends le R2 D2 pour blender le marron. Ça va être compliqué parce que j'ai eu la main lourde sur le marron. Donc on blende, on blende, on blende, on blende. Ici ça fait une petite babare. On va voir si ça part avec l'estompeur propre, sinon il faudra que je rejongle un peu avec le marron et l'orange. Et on termine avec un coup d'estompeur propre, d'abord sur le bord, et après j'essayerai d'atténuer ma babare. Rejouer un peu avec les fards pour vraiment bien faire un joli fondu avec le marron là. Alors, en coin interne, je vais mettre le C1. Je crois qu'on l'a déjà mis, mais bon, c'est celui qui ira mieux avec le look. Je sais plus. Ah non, là on a mis le vert hier, j'ai rien mis. Enfin,
pas hier, dans le groupe précédent. Et j'en mets sous mes genoux. On a un look totalement mat, sauf le coin interne et l'arcade sourcilière. J'aime encore bien aussi faire ça. Voilà. Donc, je vais arranger un peu mes fards, mascara, crayon noir. Je mets pas de liner. Voilà. Parce que j'ai foncé mon ras de cils avec le fard noir. Et sur les lèvres, je vais mettre le crayon Nabla Nude 2 et le Gingerbread Girl. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Des melted. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on peut passer au dernier look. Alors, pour ce make-up, pour aller avec mes faux cheveux, on va partir sur un make-up un peu cocktail entière, je sais pas trop, inversé et tout ça, enfin, je sais pas trop où on va, mais on y va. Je vais commencer avec le B4, ou B2, allez, on commence avec le B2 qui est plus un indigo qu'un bleu. Et je vais mettre ça dans mon creux externe. Je le fais un petit peu en forme de cut crease et je redescends le long de mon coin externe. J'ai les filles qui me parlent en même temps. Ok, oh, ça fait bizarre mon retour. Alors, je vais prendre un autre pinceau boule, mais assez petit. J'ai pas préparé mes pinceaux juste avant. Non. Pour que faire. Et je vais prendre le P5. Un magnifique bleu que je mets à la suite. Celui-là, j'avais très envie de le tester. On n'oublie pas le dégradé. Il est vraiment beau ce fard, magnifique. Et encore à la suite, je vais mettre le D3. C'est un rose. Un rose. Pierre rose, hein. Bébé flashy, hein. Donc on n'oublie pas encore de dégrader les deux teintes. Donc là, je reprends le pinceau pour aider à la transition et on jongle avec les deux teintes. Alors, sur le coin externe ici, je vais peut-être prendre un pinceau plat plus précis pour faire une jolie forme. Ben, je vais prendre un biseauté, mais un touffu biseauté. Touffu biseauté, je mets n'importe quoi. Je vais mettre le C2, qui est un bleu un peu ressemblant à celui-ci, mais à paillettes. Je ne suis pas sûre qu'on voit les paillettes. Mais bon. Ça, sur le coin externe, au niveau du bleu foncé. Je pense qu'après, il faudra que je vienne le réintensifier un peu avec un pinceau plat. Alors, ensuite, je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte A1, donc qui est le rose lumineux. Pour mettre au centre, là où j'ai mis le turquoise. Donc, on n'oublie pas de dégrader dans le bleu et en coin interne, hein, vers le coin interne. Je reprends le pinceau biseauté pour bien blender. Alors, je prends ensuite avec le même pinceau, hein, je retourne comme d'hab, le A5. Donc c'est turquoise qu'on a déjà utilisé, mais je m'en fous. Il est trop haut. Que je mets en partie interne. Tellement beau ce fard, je crois que c'est mon fard préféré de la palette. Alors, je vais prendre un pinceau plat mais assez large pour faire mon ras de cils. Alors, on va intervertir encore ici. Je vais mettre le rose, donc le D3, qui est le rose pétant. Je l'essuie et en dessous, alors en coin interne, je vais mettre le. Je vais prendre un pinceau plus précis pour faire ça. Je vais reprendre celui-là. Je reprends le B5 pour mettre en partie interne de mon ras de cils. Donc je résume mon pinceau correctement. Et au centre, je vais mettre le turquoise, de nouveau le A5, là, le turquoise lumineux.
Alors, avant de peaufiner, je prends un pinceau touffu pour blender partout les contours. Voilà, je vais réintensifier la première teinte qui était le P2 ici. Il me semble que c'était le B2. Ou c'est 8, je ne sais plus. Façon, je vais remettre celui-là. Alors, je vais juste le blender un tout petit peu, mais pas trop trop. Qui garde quand même une petite, un petit genre graphique comme ça. Alors, il faut que je réintensifie un peu le rose. J'ai ressalé mon pinceau. Le rose ici. Vais prendre celui-là pour blender. Ok, je vais réintensifier. Alors, je reprends un petit pinceau boule. Donc, je vais reprendre le petit pinceau plat que j'essuie. Et je vais reprendre ici, c'était lequel qu'on a mis, le B5. Non. Non, le B5 qu'on a mis là, c'est le C2. Alors, toujours le même pinceau, je prends le D1 pour mettre ici au centre, très léger. Enfin, très léger. Celui-là aussi, c'est un de mes fards préférés. Voilà. Avec un petit pinceau précision, j'en prends pour mettre en coin interne. Je reprends le tout petit pinceau boule que j'avais mis le... que je viens de dégrader le rose. Oh, j'ai le nez chatouille maintenant. Je reprends du D1 et j'en mets un tout petit peu ici au-dessus pour faire genre, c'est une teinte de, pour blender, mais sans trop blender. Donc, liner, crayon noir, mascara, rouge à lèvres. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, donc je viens, je vous redis de toute façon, une fois que je vous ai montré ce que ça donne. Donc voilà ce qui conclut les trois looks avec la palette Norvina volume 2. On va y revenir tout de suite. Donc sur les lèvres, j'ai juste mis le crayon soir et le mini gloss H&M que j'ai essayé de terminer. Ils font partie de mon Project Pan de l'année, que je vous mets en barre d'infos. Et j'ai fait des petits détails avec le liner de chez NYX. Voilà. Et j'aime beaucoup. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien finalement parce que c'était un peu brouillon au début, mais finalement c'est bien. Et ce turquoise et oh, bon, la palette, oh là là, Manon, merci. Forcément, les teintes m'inspirent plus que la première, hein, je vous l'ai déjà dit, mais la qualité des deux est topissime. Et alors, gros coup de cœur pour ce farci et ce farci. Voilà. Ce vert-ci, j'aime bien aussi, et ce bleu canard très 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 foncé, j'aime bien aussi. Sur quoi cela aussi? Et sur, je les aime beaucoup. Alors, j'ai pas tout testé, hein, quoique on en a testé pas mal quand même. Hein. Je saurais pas dire lesquels on n'a pas testé. Celui-là, il me semble qu'on l'a pas utilisé. Ouais, le jaune ici, on n'a pas utilisé non plus. Le orange, si, l'orange, on l'a utilisé. Je sais plus. On en a quand même utilisé pas mal sur les trois make-up. Donc, je suis bien contente. C'est vraiment une qualité de fard que j'aime énormément. Enfin, de pigment tressé, que j'aime énormément. Après, je trouve que c'est vraiment très 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 cher. Voilà, parce que c'est très 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 cher, tout simplement. Est-ce que ça vaut son prix? Je ne pense pas, puisqu'il y a moyen de trouver de la si bonne qualité à moindre coût. Voilà, c'est pas des pigments pressés, quoi qu'il y en a beaucoup, de plus en plus dans les palettes maintenant. Là, c'est que des pigments pressés, il n'y a pas de fard à paupières du tout. Mais voilà, en question pigmentation. Ça se vaut parce que c'est du pigment pressé et que ça se voit quand on l'applique, mais le résultat, vous l'avez avec d'autres palettes beaucoup moins chères, quoi. Voilà. Donc après, c'est soit vous faites un plaisir, soit vous la recevez en cadeau, hein. Mais voilà. Après, question de collection et tout ça vaut le coup aussi si vous aimez collectionner parce que c'est des très belles palettes, c'est des bijoux.
Et voilà. Donc Manon, je te dis encore une fois, merci. C'est un très beau cadeau d'anniversaire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai vraiment eu deux super palettes en anniversaire de la part de mes copines. J'adore les deux. Donc voilà. Merci ma bibiche. Et c'est tout. Voilà. Donc dites-moi en commentaire lequel des trois looks vous avez préféré. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.